Alors. Allez, juste pour le lols, hein, vu que quelqu'un m'a dit de faire ça. Ok. Nul. Juste nul. Bien. En plus, je crois que c'est la tête du gars qui prend derrière, non? Ouais. Parfait. Même pas un plan. Un plan boobies. Ah. Oh, les voix very triste. Bon, attendez, faut que j'aille faire un truc que Hitman m'avait demandé de faire. Manger King. Allez. J'espère que vous allez bien. La famille, tout ça. Il y a encore des ennemis à l'intérieur. Ouais. Je suis Franck-Ouest, je suis le plus beau et j'ai une putain de calvitie. Dire que j'avais la même calvitie que lui à l'époque. Aïe! Aïe! Merde! Merde! Tiens! Ah! Et donc, il y a du monde ici! C'est quoi? Alors, où est-ce qu'il m'avait dit d'aller, Hitman? Attendez, il m'avait dit d'aller quelque part par ici, mais d'abord on va aller là-bas. Oh merde! Oh mais là! Non, c'est la reine que je veux, c'est la reine! C'est trop dangereux ici pour vous. Je vais vous emmener dans un endroit plus sûr. Merci, pour vous, je pense que je serai. Ah, viens avec moi, madame. Allez, viens ici, Pamela, là! Toi, il court, c'est moi, il y a de plus en plus de zomblards dans la zone là. Et viens, baby. Voilà. J'avais vraiment peur au début, mais maintenant je suis contente d'avoir rencontré un type comme vous. Ex, tu penses que GTA 6 passera sur la série 4000? Oh, pas sûr, hein. Ah, tu dis par passé, genre, est-ce que ça passera sur une série 4000? Oui, clairement, ça passera, hein. Je pense même que ça passera sur la, encore sur les séries 3000, sans mentir. Ah, il ne reste plus beaucoup de temps pour le passé du professeur. Bon, on va quand même descendre. S'il faut que je sois là à 10h tapante ou si je suis là un petit peu en retard, c'est ça passe. Je sais rien. Ah, faut que je sois là à 11h tapante. C'est-à-dire que si j'arrive en retard, je suis niqué? Merde. Prends le couteau.
Couteau, Franck ! Si. Ouais, j'avoue. On va peut-être éviter d'arriver en retard. Hein. Ouais, on va pas prendre le risque en vrai. Arrête de me sucer la bite, toi! De toute façon, c'est plus dur de tuer les zombies. Ils ont besoin de bonbons, hein! J'ai rigolé, j'ai vu la PlayStation. Ah, parce que j'en ai 30 ans! En vrai, elle a de la gueule, la PlayStation des 30 ans, je trouve. Hein. Alors, c'était pas au courant, mon gros. En général, les éditions 30 ans, elles sont pas plus chères que les éditions normales. Hein. C'est juste qu'il va y avoir tellement de monde qui vont essayer de se arracher la PlayStation des 30 ans que. On va la voir dans le Luc. D'ailleurs, je suis quasi sûr que le 26 septembre, la PlayStation 30 ans, c'est terminé. Hein. Il n'y aura plus de stock. Hein. Genre, dès les 10 premières minutes de précommande, c'est terminé, il n'y a plus de stock. Merci pour les médicaments. Heureusement que vous êtes là. Oui, je sais, heureusement que je suis là. Ah, on va taper un pionce. D'abord, on va sauvegarder pour être sûr. Allez, tant pis pour le couple. Voilà, parfait. Son état est stable. Ça devrait aller pour l'instant. Est-ce que ça va? Vous avez du sang sur vous. Hein? Ouais. Sûrement cette fille que j'ai sauvée. Une fille? Elle était blessée? Ouais, j'ai proposé de l'aider. Mais elle s'est enfuie. En même temps, vu votre dégaine, on peut pas lui en vouloir. Enfin, bref. Elle a parlé d'un truc nommé Santa Cabeza. Santa Cabeza? Je crois que... Professeur Barnaby, vous êtes réveillé. Santa Cabeza. J'aurais dû m'en douter. Je pensais que Santa Cabeza était de l'histoire ancienne. Vous avez l'intention de me juger maintenant? Allons, du calme, professeur. Nous ne faisons que suivre les ordres. Nous devons vous protéger. Protéger? M'emprisonner, plutôt. Professeur, pour assurer votre protection, on doit savoir la vérité. En détail. Allez. Dites-nous tout. Je crois que vous savez ce qu'est Santa Cabeza. Je me trompe? Bien. J'irai chercher mes informations ailleurs. Merci pour votre aide. Peut-être que si j'arrivais à retrouver cette femme... Ah oui, Franck, retrouve cette femme, voyons. Prochain dossier à 15h, quoi? Eh mais c'est Attente Simulator, ce jeu, quoi. Et quoi dedans? Oh, de la vie! Oh, miam 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 miam.
Attention. Qu'on veut encore. La sandwicherie de Paradise Plaza. Il est plutôt bien portant, à ce que j'ai pu voir. Me dis pas qu'il est là pour manger. Ah, je parie que c'est le gars à qui on doit donner une tarte pour faire en sorte qu'il nous suive. Ah, ah, ah putain, je sais pas quel truc. Hop. Meilleure arme du jeu, ça en vrai. Meilleure arme du jeu. Le mec Shadow. Alors, je suis où là? Ok. Ah, faut aller là-bas. Jill Sandwich. Ah, la petite référence à Resident TV, là. Ta gueule! Oh, ma gueule! Ah oh, non, je me suis loupé, pardon. Toi, toi. 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 Ah! Prise de judo! Nombreux, hein! Oh, si seulement j'avais pas abandonné ma tronçonneuse en pensant qu'elle resterait là-bas! Pire erreur de ma vie, quoi. Je vais mourir. Ah, et bien sûr, y'a plus de tarte! Hé! Hey, hé, hey, t'as de la bouffe, non? Allez, partage, je crève la dalle. Désolé, j'ai rien sur moi. T'essaies de tout garder pour toi, hein? Tu vas te remplir le bide tout seul? Alors que moi, je crève de faim. T'as du culot, enfoiré. Ouais, j'ai vu l'annonce pour le... pour le prochain Yakuza. Ça m'a fait délirer de voir, de revoir Majima. C'est quoi ces pirates, je sais plus quoi, là? Bah comment on fait pour être donné à bouffer s'il n'y a plus rien? Ah tant pis, moi je me planque. Oh non! D'accord, la viande ça périme. Alors, le katana, il était où? Alors, il était où? C'était pas ici? Hitman, il m'avait dit... Tu prends un jus de fruits... Et... Il y a le mixeur qui est là. Là-dedans. Tu reprends un jeu de fruits. Tu le mets là-dedans. T'as des jus de fruits infinis ici? Oh, une reine! Alors, il était supposé être quelque part... Là! Si je lui donne un jus d'orange au petit gros, il va me suivre ou pas? Ah, ben là, une tarte à la crème! Tombe bien. Hop. Oh, c'est pas loin. Wouah! Oh, comment ça dépop! Chers clients, l'équipe Willamette Radio Mall tient à remercier d'avoir choisi son temps. Bon, allez, bouffe comme un gros là.
Oh, ça fait du bien. Parfait. Tu viens, ma grosse? Eh oh! C'est toi qui vas te faire bouffer si tu restes ici. Viens avec moi. Je t'emmène à la salle de sécurité. Y a à manger là-bas? Ouais. Non, il y a plein, j'ai déjà tout bouffé. Yes! Compétence acquise, double l'aria. Tournez sur vous-même, bras tendus. Pour renverser les ennemis, appuyez sur R. Quoi? Oh, c'est mignon, des zombies qui viennent faire leur course! Tu apprends ça. Avec moi. Pas trop envie d'utiliser le katana en soi, mais on peut dire ça coupe bien. Hey Ronald! Follow me! Ah, quelqu'un là-bas, je crois. Bonjour, Ever! Oh, désolé, c'est pas ma faute! Je veux dire, j'avais pas le choix! Si on était restés ensemble, on serait morts toutes les deux! Ah, c'est con ça! Putain! Quoi? Ça va, pas la peine de s'exciter. Bon, promettez-moi de la boucler et je vous conduis en lieu sûr. Le Ghostface! Ouais, un hélico va venir vendredi. Alors qu'est-ce qu'on attend? En route. Allez, en route. On va suivre au moins. Penchez un petit peu quand même. Non, j'ai l'impression que le jeu tourne mieux qu'hier. Hein. Oh ouais. Oh ouais. Tranché dans l'art. Au! Avec moi! Techniquement, avec le katana, je peux gérer les deux mecs dans le... Enfin, les mecs dans... l'espèce de jeep, là. De son côté. Il y a une armurerie à North Plaza. Aïe! Hey Matt! Salut André! Allez! Ah, il craint cet endroit! C'est crade, c'est petit! Est-ce qu'il y a une douche au moins? Ah la connasse! J'ai pas de bouffe! J'ai pas de bouffe! Pour moi, est-ce que c'est crade ici? Est-ce qu'il y a moins de quoi se laver? Ta gueule! Ah, alors ce jeu est comment, dis-moi? Ah, ben il est cool en vrai. Par contre, j'avouerais que j'aurais préféré que le gameplay soit un petit peu amélioré, hein, parce qu'on sent... Je me rappelle que j'avais acheté une version Dead Rising qu'ils avaient ressorti, je crois, sur PS4 et Xbox One et PC, en fait, et j'ai l'impression... Enfin, le gameplay a pas spécialement changé. J'ai vu une policière rentrer dans un magasin de vêtements pour femmes... C'est pas le problème, je trouve. Elle était avec une femme plus jeune. Je me demande ce qu'elle fabrique là-dedans. J'aurais bien aimé un petit peu plus de dynamisme dans le gameplay, parce que ça se voit que c'est vieux.
Au-dessus des lois. Ouh, attendez, au-dessus des lois, c'est... C'est pas la gro... C'est pas la gro... Oh, j'allais dire quelque chose, mais... Après, ouais. Oh, d'accord, on va dire que je suis grossophobe. J'avais vu, elle, justement. Alors du coup, est-ce que Hitman avait raison? Est-ce que si je viens ici, que je reviens là, est-ce que Katana a repop? Oui, il a repop! Hitman, toujours des bons choix. Alors, au-dessus de la loi, c'est où ça? Ah! Hein? En fait, je sais pas. Il me reste combien de temps? À 15h, il est quelle heure là? Mmh. Malheureusement, je pense pas qu'on fera tous les psychopathes en une seule traite. Hein. Pas spécialement sûr d'avoir le temps pour pouvoir le faire. Ah non, je l'ai bu, putain, mais quel traite. Beaucoup trop loin, j'y arrive jamais, hein. D'accord, on a pas le temps pour y aller, si. Je préfère quand même jouer à la sécurité scénaristique. Oh, couillon! On va jouer à la sécurité scénaristique. Ah bah j'ai déjà une reine sur moi, Hitman. Là, je prends surtout les jus d'orange pour pouvoir avoir de la vie, en fait. Hein. Si jamais il y a une grosse baston, un truc dans le genre. Non, c'est pas un remake, en fait. C'est une version... on va dire un petit peu comme The Last of Us. C'est pas réellement un remake en soi. C'est juste un update graphique avec, je pense, des améliorations sur certains points. Parce que c'est vrai que le 1 était quand même sacrément difficile quand il est sorti, à mes souvenirs. J'ai entendu pas mal de gens dire qu'il était assez difficile, le 1. Ils veulent tous ma bite, c'est un truc de fou. Pourquoi les zombies, ils veulent tellement m'arracher le sgeg là. A taper un pionce. Voilà. Ah, ça va, je crois qu'on aura le temps de taper la grosse. Quand même, ça fait pas mal de monde pour l'instant, hein, pour une première run. Ah, j'ai pas fini Black Myth Wukong pour l'instant. J'y vais à mon rythme sur Black Myth Wukong en toute honnêteté. Je me presse pas. Ah, faudra que je cherche un autre katana. Non, non, je suis pas bloqué sur Black Myth Wukong, loin de là. Attendez, la dernière fois qu'on a fait, c'était qui? C'est la tortue Game Boo là, avec son... Oh, le truc serpent là. Non, pour l'instant ça va, en vrai, hein, Black Myth Wukong, on gère. C'est pour ça que j'ai pas de voir les prochains boss. Écoutez-moi,
la fin du monde est imminente. La mort s'est déversée, tel un fléau, sur notre planète, pour tous nous souiller. L'unique moyen de sauver l'âme de l'homme et de purger entièrement le sang impur. Nous avons un infidèle dans nos rangs. Mes frères, si nous voulons obtenir le salut, son sang doit couler, il faut l'anéantir. Répandez son sang, le sang de l'hérétique. Un instant. Le sang de l'hérétique. Parfait. Attendez, je dois flinguer tout ça là. Jennifer. Oh non, le con. What? C'est des kamikazes en plus! Aïe! Dame? Il est où l'autre? Je vais faire quoi là? J'y faire? Parfait. La caisse? Ouais, mais la meuf, comment je la sors de... Ah, voilà. Bonjour, madame. Oh mon Dieu, c'était horrible. Merci. Oh, on ira se refaire des stocks après. Ouh, putain, il y a du monde là-bas. Très bien content d'avoir ça. Atterrissez avec un coup puissant au moment de toucher le sol, appuyez sur. Vous maintenez S et appuyez pour un balayage. Mademoiselle, venez avec moi. Cette icône qu'elle a parfois sur la tête. C'est un modèle. Ah mon Dieu, il y a un homme beau et fort avec un appareil photo. Franck, regarde. Hein? Ton Dieu, Franck, regarde, c'est tout ce que j'ai entendu. Hop, hop. Ben Dieu, zéro de QI ces zombies pour nous choper, hein. Ah! Judo! Eh non, pas à l'aide, oh, qu'est-ce que tu racontes? Juste à côté, tu vas te faire TP.
Allez, ma petite Jennifer, là. C'est terminé, je me laisserai plus jamais avoir comme ça. Vous pensez quoi de Space Marines 2? Oh, mon jeu de l'année, clairement. Y'a plus de bouffe hein, maintenant hein, dans la zone. Hein. Le jeu il est en mode hop 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 hop, t'as eu assez de bouffe comme ça mon gros, t'arrêtes maintenant. Oh, faudra choper des armes un petit peu là. On a besoin de gun. Ah oui, il est génial, hein. Je crois que. Franchement, sur Space Marines 2, je crois que j'ai facilement atteint les 80 heures de jeu là actuellement. En plus, aujourd'hui, on a terminé le mode coop en mode impitoyable. C'est fun. Non! Mangeur de bite! Oh putain! Oh putain, le monde qui est là-bas. Le troisième anniversaire du centre. Afin de vous fêter dignement dès le 6 mois prochain, nous allons vous rapprocher de la famille. Ne manquez pas cet événement. Willamette Park View, le centre commercial qui s'installe dans vos cœurs. Ah, cette arme, c'est de la merde. Il manque, j'ai d'autres armes. Enfin, surtout plus place d'inventaire en vrai. Le problème de ce jeu, c'est clairement de gérer l'inventaire. Pas un petit couteau dans le coin là? Forcément avoir un. Il y avait tous des couteaux, ils sont où les couteaux? C'est quoi? Ah ouais. Par hasard, tout hasard, y'a pas d'autre katana dans le coin. Bon, on doit se rendre où les gens? Il est où notre nouvel objectif? Il est là-bas. Bon bah va falloir sortir. Ah, y'a un PP à prendre là. Autocollant PP repéré. Il est où dans l'histoire? Je sais pas. Dossier numéro 4 là actuellement je pense. Ah. Parfait. Hmm.
étiquette. Ouais. Oh là, il a l'air moche comme ça, sérieux. Ah, chez les coutureries pour les sables, c'est où les coutureries? C'est là-bas, non? Dans Transplaza, non? On m'avait dit qu'il y avait des sabres en Transplaza à un moment. Du coup, je vais aller voir vite fait. La porte est ouverte maintenant. Il restart un Tinder sur PS5, il restart surtout le Tinder sur PC, et bon Dieu, qu'est-ce qu'il était temps. J'ai hâte de le faire sur PC le prochain. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Oh, le skateboard! Oh, attendez, c'est ce que j'ai vu? J'ai vu ce que j'ai vu ou j'ai pas vu ce que j'ai vu? Oh, un club de golf. Ok. Alors, j'ai pas dû voir ce que j'ai vu. De voir si je peux pas prendre des objets, des nouveaux styles, tout ça. Ah mon Dieu! Prendre le vélo. Avancer, freiner, reculer, descendre. Oh yeah! La merde. C'est marrant parce qu'on voit qu'il y a plusieurs... On pourrait avoir plusieurs styles, mais à chaque fois qu'on s'équipe d'un truc, il n'y a qu'un seul style en fait. C'est un peu dommage. Bah... Tu équipes pour avoir des bonnes armes, ici. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Oh. Ici.
c'est bien parce que si vous connaissez très bien le jeu de base, vous allez revenir sur le jeu, ça va être en mode. Ouais. Voilà, je connais tout, je sais où aller, je sais où sont mes meilleures armes, tout ça. Moi, je suis là, je sais pas où sont les meilleures armes. Ah, des lunettes serait peut-être pas mal, non? Ah oui, c'est vrai, bordel, j'avais oublié à Starfield à la fin du mois. Ah, j'oublie souvent que Starfield va sortir, moi. Ah, le DLC de Starfield. Pas ma faute, hein. Estelle Fine Cosmetics. Je peux mettre du rouge à lèvres, tout ça. Jure. Je rêve ou c'est juste un les cheveux là. Alors, on va avoir des talons en haut. C'est le jeu. Tu me permets même pas d'avoir des petits talons là? Hein? Sérieux? On peut pas voir ces petites bottines là? Oh! C'est quoi ça? Ouh! Ah putain, ouais, mais ça lance des palais, c'est pas ouf ça. Oh mon dieu, Franck. Tu ressembles plus à rien, gars. Mais non. Oh, allons sauver la femme, là. Ça commence à prendre trop de temps, là, cette histoire. M'amuser, me balader. Chère cliente, cher client, nous avons une excellente nouvelle. Dans quelques semaines, le centre fêtera son 3e anniversaire en grande pompe. Et oui, vous avez bien entendu. Le 10 du mois. Alors, c'est par où? Ok, faut que je retourne là-bas, faut que je retourne en haut. Que je sorte. Venez en famille, je peux profiter des nombreuses animations que nous organisons. J'ai repéré un vieil homme. Il est chez l'antiquaire à Entrance Plaza. C'est bizarre. Il a l'air plutôt calme compte tenu des circonstances. Juste vérifier un truc, est-ce que c'est en fonction du fait de zoner que l'arme repop ou est-ce que c'est en fonction du fait de monter en haut? Je vais vérifier ma théorie. Bonjour messieurs, très bien. Mais s'il faut juste zoner... Putain, faut juste zoner! Et putain, je me fais un truc full katana alors! Merde, j'étais quoi en haut? Oh la loose! Ah, et puis merde, tant pis. Pas avec. On va prendre un flingue en prime. Ah mais il suffit juste de zoner, tu rentres, tu sors dehors, tu reviens, tu rentres dehors, tu reviens. C'est bon quoi. Boom.
Le handball, c'est nul. Non, tu crois? Pire jeu de piraterie ever made. Je sais même pas comment chez Ubisoft ils se sont dit que ça allait être de la bombe. En même temps, je crois qu'ils voulaient cancel le jeu, c'est ça le pire. Hein. Le gouvernement de Singapour a dit hop, vous avez un contrat, vous devez finir votre jeu là, sinon vous allez douiller vos mains. Je dois fighter en plus. J'aimerais bien être avec quelqu'un d'autre, mais t'as vu des zombies avec des beaux culs ici, toi, meuf? Waouh! Putain, putain. Oh la chatte. Oh. Oh non! Mais. Oh, ce système de gestion d'inventaire là! Putain, mais fous-moi la paix! Eh non, je foutrais pas la paix là! Attendez, il faut que je vous parle. Vous allez m'écouter, je vous veux aucun mal. Je veux juste parler. Qu'est-ce que vous savez de tout ça? Dites-moi tout. Vous êtes quoi, un journaliste? Lâchez-moi. C'est bon, je m'enfuirai pas, lâchez-moi. Vous me faites mal, là. Qu'est-ce que vous avez découvert? Vous avez appelé de l'aide? On va se calmer, princesse, c'est moi qui pose les questions ici. C'est quoi Santa Cabeça et c'est quoi le rapport avec tout ce bordel? C'est vous qui avez créé ces zombies. C'est pas nous. C'est ce que Carlito veut que tout le monde sache. Qui ça? Si vous voulez interroger quelqu'un, parlez à Carlito. Il aura toutes les réponses. Attendez, vous êtes en train de me parler du type qui nous a tiré dessus, c'est ça? Amenez-moi à lui. Non. Pas maintenant, il est blessé. Et pas d'humeur à parler à qui que ce soit. Je vous l'amènerai quand il aura récupéré. J'arriverai à le convaincre. Je suis sa petite sœur, après tout. Et qu'est-ce qui me dit que je peux vous faire confiance? Les zombies sont un message de Carlito. Il voulait que les gens sachent. C'est bon. Allez-y. On se retrouve quand? Ce soir, à minuit. Attendez-nous dans le local à côté du magasin de photos de North Plaza. Au
fait, je m'appelle Isabella. Et je vous promets que je vais revenir. Yay! Un dossier, ok. Alors, elle est où la flicaille? Ah! Prise de judo! Prise de judo! Oh! Une reine. Du coup, on va aller taper Miss la loi, c'est moi. Ah, il m'a chopé par derrière. Bon, touche que. J'ai pas envie de tirer dedans. Oula, 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 comme toi. Franck, il y a Ronald qui commence à se plaindre du manque de nourriture. Il veut monter une expédition pour aller en chercher. Dépêche-toi de ramener quelque chose à manger avant qu'ils aient des ennuis. Sérieux? Mais casse les couilles, Ronald McDonald, là. C'est toi. Bah écoute, si c'est la... C'est le boss que je pense, techniquement... Il y a clairement moyen de gérer, là, actuellement, avec ce qu'on a. Oh putain, c'est quoi tout ce monde? Ah, oh, les FPS, ils chutent. Comment on monte? Ouf. De toute façon, on va quand même aller voir, hein. Si on meurt dessus, c'est pas grave. Amacita! Qu'est-ce qu'on a là? On dirait que t'as encore attiré un homme ici, petite putain. Non, j'ai rien fait. S'il vous plaît, aidez-moi. On va voir à quel point t'es dévergondé, cette petite souillon. Dis bonjour à mon fidèle bras droit. Non, arrêtez. À l'aide. Madame l'agent. Pardon, je peux vous parler une minute? Je veux dire... Écoutez, je sais pas ce qu'elle a fait, mais ça me semble un peu... Ferme ton claque, merde! Je te préviens, si t'essaies d'interférer dans une opération de police, je vais te régler ton compte avant de m'occuper d'elle. Aïe. Aïe. Wow. Merde. Gérablisie en vrai. Aïe. Vous méritez la mort. Va crever. J'ai mal.
je vais crever. Oh, 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 j'y crois pas. Comment un toqueur comme toi a pu m'avoir? Oh, oh. C'est quoi cette mort de merde? Est-ce que ça va? Mon dieu, c'est quoi cette mort de merde? Merci. Est-ce que ça va? Quel soulagement. Ne laissez pas ici. Merci. Est-ce Allô, que ça va? Oh, elle a tué certaines d'entre Est-ce que ça va? Putain, c'était une vraie malade. Yes. Cette salope. J'espère qu'elle va rôtir en enfer. Salope, j'espère qu'elle va retirer en enfer. Attendez, on est où là exactement? Oh, sa mère! Oh là, s'il vous plaît, dites-moi que je peux passer par là et faire tout le tour. Oh, oh non! Oh la loose! Attendez, on n'avait pas débloqué un... une issue quelque part? J'avais débloqué où? Des épingles. Hein? Merde! Enlever le repère. J'avais pas débloqué une issue? Je crois que c'était au deuxième étage, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas au deuxième étage. C'est à quel niveau qu'on avait débloqué l'issue? Bon, bon, on va courir, hein. Ah bah en plus j'ai level up, donc... Avec moi. Et Shimitsu, ça roule et toi? Avec moi. Hey, R. Kelly, là. Allez, ramenez votre cul, les filles, là, grouillez-vous! Alors, s'il vous plaît, dites-moi que c'est ouvert en haut. Comme ça, je passe pas par là-bas. Putain, elles sont lentes, hein? Oh, ça a l'air ouvert. Ah ouais, mais... que là, c'est ouvert, c'est ça la question. On va aller vérifier, hein. Allez! Plus vite, mesdemoiselles, là! Oh non, on va pas aller vérifier, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller... directement dehors. Bon, ça sera plus safe que de passer devant tous les zombies, hein. Et bon, tout le monde est là. En fait, c'est galère d'en gérer 4 en même temps. Avec moi. Oh. Allez. Avec moi. Avec moi.
Je vais mourir. Oh, je vais y passer là. Je vais sûrement y passer là. Tant pis pour les deux survivantes, elles avaient qu'à courir plus vite. Hein. Il y a un type au magasin de cosmétiques à un train de Splaza. Oui, ta gueule. Casse pas les couilles là. Vas-y, je prends les deux survivantes qui savent courir. Là, il y en a marre. Avec moi ! Avec moi ! J'ai trouvé une arme qui pourrait servir. Oh là là ! Quel coup gratuit, j'ai pas compris. Nick Evans est mort, rien à foutre. Même pas c'était qui en vrai. Avec moi. Oh bordel. Wouh. Si j'ai de la chance, je level up. Si j'ai pas de chance, je level up pas. Je suis trop fatiguée. Alors, y'a du nouveau par ici ? Santa Cabeza est une place forte du trafic de drogue en Amérique centrale. Et d'après le professeur, les zombies seraient une conséquence directe de ces drogues. Vous êtes en train de me dire... Quoi, que quelqu'un a répandu de la drogue à zombies dans Willamette ? Pourquoi ? C'est quoi l'intérêt d'avoir tous ces morts vivants ? Ce sont des terroristes ! N'essayez pas de chercher de logique dans leurs actes ! J'ai analysé la drogue en question, et j'ai présenté mon rapport au gouvernement. Et c'est ce qui a dû les énerver. Ils ne voulaient sûrement pas être... découverts. Je vous ai dit tout ce que je savais. Alors faites-moi sortir de là. Demandez de l'aide et tuez ces monstres. Soulever un zombie avant de le projeter face à un zombie, appuyer sur A et appuyer sur A à nouveau pour le projeter de nouveau. Cool. Ouais, je repasse en Léon là.